que dans notre démocratie, par exemple dans l'élection présidentielle qui va avoir lieu en mai prochain, les gens qui s'abstiennent ne comptent pas. Dans un collège, quand il y a des élections, par exemple de délégués dans une classe ou au CVL, il y a certaines personnes qui ne veulent pas voter. Il y a beaucoup d'élèves qui se plaignent des conditions de leur vie au lycée, mais voter, en fait, c'est une voie vers les solutions, en fait. Je sais que je veux commencer par participer dans les associations, après en créer une moi-même. Ah oui, et en créer une sur quel sujet? Pour défendre les femmes qui se font battre par leur mari. L'objectif de la rencontre entre des réservistes citoyens et des lycéens, c'est de pouvoir sensibiliser les élèves de seconde, surtout qui arrivent au lycée, à l'engagement en général et plus particulièrement à l'engagement dans son lycée, au sein du conseil de vie lycéenne, ou de la Maison des lycéens, qui est une association. Je me suis occupée d'un journal de collège, un journal papier, qui a duré pendant 20 ans. Je ne me suis pas toujours engagée, parce que j'ai quand même été quelqu'un de très timide. Mais cette année, par exemple, je me présente pour être déléguée au conseil de vie lycéenne. Nous allons passer à un vote. Ceux qui sont prêts à s'engager, ou on répond oui, ou on répond non. Et on discutera après des natures d'engagement. Concrètement, on a parlé de ce qu'était le vote dans un pays démocratique, de ce qu'était le vote dans un espace comme celui du lycée, etc. Donc, si vous voulez, ce n'était pas un cours sur l'engagement, mais c'était, en somme, à travers l'expérience concrète, de montrer ce que c'était que la participation du citoyen. On a la chance d'être dans un pays où la démocratie est forte. Et avoir la démocratie au sein du lycée, c'est important aussi. Parce que la démocratie n'appartient pas qu'aux majeurs. Même les plus jeunes ont le droit de dire ce qu'ils en pensent. Si on veut que les choses changent, il faut se forcer un tout petit peu. L'engagement, ça permet aussi d'avoir plus de responsabilités et de grandir.